Choucroulou, d'ici Lupina pour l'épisode 29 du Bad Challenge que je fais en duo avec Elancia. Donc une fois un épisode sur ma chaîne, une fois un épisode sur la sienne. C'est un challenge inventé par Niska34 et je vous mets toutes les règles dans la description comme d'habitude. Trêve de bavardage, nous allons commencer. Nous voilà donc dans le jeu, j'ai une vieille trace rouge ici, je ne sais pas ce que c'est. Donc ne faites pas attention, je frotte et c'est toujours là. Alors ce que j'ai fait, c'est qu'il y a les saisons maintenant. On est au printemps, visiblement Elancia a choisi le printemps, donc c'est tout à son honneur. Et en fait je viens de me rendre compte qu'il y a des fleurs partout. Il n'y avait pas ça avant, c'est cool. Et j'ai rajouté une serre parce que je me suis dit, ça peut être bien de mettre la serre comme ça. J'ai un peu rangé, j'ai rajouté ça là. Et j'ai mis la baignoire de Jean-Claude et trucs veto ici. Vous savez tout, je me crache dessus, putain. Je suis un bulot, bonsoir. J'en ai marre. Tout le monde est à l'école, tout le monde est parti. Ça me fait des vacances. Il reste que cette grosse courge qui va hiberner. Parce que je lui dis d'hiberner, mais elle s'encarre le coquillard. Ça devient pénible, hein. Est-ce qu'au moins ça lui passe les jours? 6 sur 20, ok. Faut vraiment qu'on essaye de voir si demain ça sera passé ou s'il faut vraiment qu'elle soit debout, quoi. Et je suis en train de faire muscler ce gros là. Et putain, les bras qui se payent. Mais c'est pas possible, c'est quoi ces bras de bodybuilder? C'est horrible. Ah Théo. Mec, t'es moche? Excusez-moi. Est-ce que je peux avoir un domestique beau, s'il vous plaît? Ce serait bien. Merci. Horrible, horrible. Et du coup, donc j'entraîne machin, là, soulever des charges lourdes. Ouais, bah c'est sûr, vas-y, on a fait le ménage avant que t'arrives. Hein. Merci d'être venu, connard. Où est Jean-Claude? Qu'est-ce qu'il fait? D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il va bientôt mourir. Qu'est-ce qu'il a encore? Il me fatigue ce yinche. Je crois que quand il sera mort, on va pas reprendre de chien parce qu'il est chiant. Oh, mais les cuisses qu'il a aussi, putain. Oh la vache. Ah non, mais là le Jean Kéké, il est bien là. Hein. Oh la vache, il est horrible. Moi, je suis navrée, hein, mais je trouve ça très laid quand c'est trop musclé. C'est... Est-ce que tu peux, genre, le brosser ou je sais pas? Brosser, ouais, voilà, un truc comme ça. C'est quoi, ça? Qu'est-ce qui ne va pas, Jean-Claude, encore et tout? Il va aller faire une connerie, là. Jean-Claude! Jean-Claude! Il se casse, en plus, hein. Non, tu iras pas dans la chambre. Ah, oh, c'est pas possible, ça. Il va aller boire dans la cuvette des chiottes, encore. Voilà, on le brosse. Là, t'es bien. On va te faire un bisou. On va lui donner une friandise. Je pense que l'Antia va s'occuper de ça, hein. C'est pas à moi de m'occuper de Jean-Kevin. Mais bon, vu qu'il est là, bah, on s'en occupe, quoi. Alors, c'est bon ou pas? Félicité. Il veut aller dehors, il veut chasser les oiseaux, en fait. Mais il est quoi comme... C'est quoi les caractères de Jean-Claude, en fait? On sait pas? On sait pas? On sait pas? C'est honteux. Attends, ça doit être écrit, là. Fidèle, amical et vous ne voyez pas joueur. Ah, ben c'est pour ça, à mon avis, qu'il est toujours coulé dans ce but. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une balle, j'ai eu peur. Je me suis dit, il a pas chié dans le salon, quand même, ce con. Bon, viens dehors et allez faire un petit jeu, là. Oh non, il doit aller au travail. Bon, bah, va au travail, hein. Allez, go. Go au travail! Il est con. Va au travail, connard! Dépêche-toi. Ok, bon bah on n'a plus qu'à attendre que quelqu'un revienne. Oh putain, ils sont tous dans le mal. Il a eu un B, Gaston, ok. Steven a un A, le petit il a pas de quoi être fier. Elle a un B, il a un B. Ouais bon, les autres on s'en fout en soi, c'est pas très très important. S'asseoir ensemble et faire les devoirs ensemble. Elle est où l'autre cruche là? Grosse cruche! Tu peux faire comme tout le monde? Viens ici! Elle est buggée. Ah ça y est, elle se décide. C'était un moment intense et magique. Bon, tu fais tes devoirs, Gaston, s'il te plaît. Eh, il a plus son bouquin, si? Ah bah il est bugué aussi, c'est son tour d'être bugué. Pourquoi il est en colère? Enragé. Non, ça ne va pas! Non, ça ne va pas! Vous ressentez une colère inexplicable. L'adolescence n'est pas toujours facile avec son avalanche d'émotions incontrôlables.
Faut que je nettoie mes lunettes, voilà. Oh my god, je vous jure, je voyais pas la moitié de l'écran là avec la tache que j'avais sur les lunettes. Ah bah non, en fait, c'est une tache dans mon œil. Bon bah tant pis. On adore, c'est génial. Bon, sérieux, les gars, faites vos leçons. Et vous me gonflez de ouf. Faites le son, connard. Je suppose qu'il est trop enragé pour faire ses devoirs. Ah oh non, il fait juste chier en fait. Ok, vous êtes casse-couille. Et bah vous savez quoi? J'ai pas tourné depuis une semaine peut-être, ou deux, je sais pas, et je me sens bien. J'ai envie de chanter, rien que pour vous, bande de vénards. La production a décidé, pour le bien de vos oreilles, de censurer cette séquence. Merci de votre attention. Donc, du coup, on en était où? Je sais plus. Ils font leur devoir, c'est cool. Anaya! Qu'est-ce qu'elle doit faire, elle? Aller à deux rancards. Ouais, bah, il est pas là, ton homme, alors... je sais pas, moi, va te divertir. Va te divertir et après, on ira dans un resto, et puis voilà. Va jouer à Blick Block. Ok, bah, lui, il se... Bah, ok, bah, très bien, Jean-Max. Bah, non, va jouer avec ton yinche, voilà, parce qu'il est chiant. Alors, va jouer avec. Et dehors, cette fois, hein. Pas dans la chambre des parents. S'il te plaît, c'est quoi cette tenue dégueu? Oh my god, c'est quoi ça? C'est ta tenue de... C'est ta tenue d'hiver? C'est pas... Oh non, mais il va pas... Non! Mais joue pas à l'intérieur, cassos! Oh là 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 là, j'en ai marre. Mon Steven fait du devoir supplémentaire. Les autres, il n'y a pas besoin. Hein. Lui, il va aller faire des toiles, là. Et sa sœur, elle va aller jouer aux échecs. Toile colérique. Oui, bah très bien. Vas-y, fonce. En plus, ça te fera une toile émotionnelle. Non, alors, Gertrude, tu peux ranger ton bouquin, déjà. Espèce de pute. Voilà, merci. Ah, je suis démonétisée, ça y est. Et beaucoup trop tendue pour jouer aux échecs. Comment dire? Jouer. Jouer aux échecs. Jouer. Ça... Bon, ok, très bien. Même à jouer aux jeux vidéo, alors. Est-ce qu'il y a que ça qui détend, apparemment? Je vois pas où ça détend. Est-ce que je suis détendue, moi? J'y joue toute la journée, pourtant. R.I.P. une pisse, vos oreilles. En fait, ça me fait rire de crier, parce que... J'imagine certains de mes abonnés qui doivent écouter tranquillement sur leur PC et qui n'ont ni casque ni oreille et j'ai ni oreille, pff, ni casque ni écouteur et j'imagine toujours qu'au moment où je gueule ou je dis une grosse connerie, il y a un membre de la famille ou un pote ou n'importe qui passe derrière et qui se dit what the fuck et ça me fait beaucoup rire. Oh my god, ou même le chat, tu sais, qui est là avec... Moi ça va, mes chats ils sont habitués, là, ils dorment hein, comme des grosses merdes. Ah mon chat, oh oui, tu vas pas m'embêter parce que tu fais dodo, yes, yes. Maintenant j'attends qu'ils dorment pour tourner, comme ça, y a pas de... En plein milieu de la vidéo. Quoi encore? Ah! C'est vrai qu'Elantia m'a dit de regarder les relations et que je l'ai pas fait. Elantia. Mais Elantia m'a fait ça avec tes Sims, pas avec les miens. Aimerais-tu aller dîner avec moi au restaurant chez Jean Mou et sa cagole? En plus, c'est bien balayer la chiotte parce que t'as pris le must des restos. Hein. Oh non, mais elle a dragué balayer avec Anaya. Bon, on va y aller. J'espère que ça va quand même compter pour un rancard si c'est pas nous qui l'organisons. Les chargements, c'est chiant. Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo ASMR. Ok, bonsoir. Coucou, Ballet. Mais du coup, elle a fait quoi comme relation? Oh, elle va bientôt vieillir. Ouh, loulou. Alors, attends. C'est moche. Ah, en fait, ce qui serait très drôle, c'est que Jean-Kevin aussi drague Ballet à chiottes. Vous trouvez pas ça trop drôle? Genre, les deux, genre, ils sont en plan à trois, tu vois. Est-ce que ce serait pas juste énorme? Comme moi, je veux dire. Non, mais ce serait énorme, franchement. Franchement, on va faire ça. Peut-être pas dans cet épisode. Mais du coup, ils le font le rancard ou pas? Il n'y a même pas le petit pouic-pouic là, de temps là. Oh my god, mais Balé à chiottes et Anaya quoi. Non mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, je veux dire, tant que les enfants nous voient pas. Lol. Mais du coup, on peut rentrer? Ah ouais, donc c'est pas un rancard en fait. Le gars nous propose un rancard, on y va et ça compte pas comme un rancard. Donc c'est nul. Puis elle va encore mettre trois plombes à se déplacer. Bah oui, c'est cool. Bon, bah, je vous reprends quand ils sont là-bas. Hein.
Et re les choucrouloutes. Anaya va faire la bouffe, hein, voilà, prépare un grand repas. Oh, il n'y avait pas ça. Ah mais oui, c'est à propos des saisons. Il y a un événement, faire un grand repas. Alors il y a quoi? Grand petit déjeuner, dîner avec du jambon, dîner au poisson, dîner substitut de dinde au tofu. J'allais dire, il n'y a pas de truc vegan, mais c'est cool, du coup il y en a, donc on va mettre ça parce qu'elle est vegan, enfin elle est, ouais, elle est végétarienne. Je m'en souviens enfin! Enfin, je respecte cette pauvre Sims, donc c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Claude? Jean-Claude est encore pas content. Oh là là, regardez comme il est mignon. En vrai, ça va me rendre triste quand il va mourir. Putain, et elle a encore déshiberné. Bon, tu sais quoi, Maroua, fais ce que tu veux, je m'en cogne. Voilà, comme ça, on est quitte, hein. Steven, tu fais ton travail supplémentaire, s'il te plaît. Gaston, espèce de gros con, je t'ai dit de reprendre ta toile. Et toi, espèce de casse-couille, viens jouer aux échecs. Puis Jean-Max, bah, il fait ce qu'il veut, Jean-Max. Je manque Caro le coquillard. Est-ce que tu peux jouer avec Jean-Claude quand même? Cajole-le ou je sais pas. Enfin voilà, c'est ton yinche quoi, tu te démerdes. Et rentre quand, Jean-Kéké? 21h? Mais c'est dans super longtemps. Ah bah non, en fait, c'est bientôt. Bon, attends, on va le faire aller aux toilettes. Essayer de se calmer aussi. Ensuite, on va aller voir balai à chiottes. Travail supplémentaire terminé, c'est bien. Alors, il faut qu'il fasse quoi d'autre? Oh oui, bon bah il se démerdera. Hein. j'ai pas envie. La 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 la. Ah! Ah oui, c'est. Oui! Ah bah c'est pas mal, hein! De mieux en mieux, Gaston! Vendre à un collectionneur, ouais, bah vas-y. Refais-nous une toile colérique. Et comme ça, il va terminer son aspiration, c'est cool. Oh! Quoi? SOS pour un ami. J'ai envoyé un SMS à quelqu'un, mais il n'a pas répondu. Et cela fait environ d'une heure. Que dois-je lui dire? Eh bah, t'attends, connard. Il a peut-être autre chose à foutre. Non, mais j'hallucine. Vous savez, les gens sont pas à votre disposition. Hein. Et je dis ça parce que j'ai déjà eu des cas pour ma part. Si tu réponds pas dans la seconde, le gars, il te harcèle de point d'interrogation. Là, il est en mode, mais ferme ta gueule un peu. Je suis occupée, j'ai une vie, je suis autre chose. Et puis quand bien même, j'ai pas envie de répondre, c'est pas en mettant 36 points d'interrogation que je vais répondre plus vite. Merde. Je suis un peu emportée, désolée. Je l'ai un peu pris pour moi, c'est vrai. Allez baiser. Comme ça, vous allez être détendus. Steven, t'as pas l'impression de gêner en fait. Ta mère, elle peut pas pisser. T'es obligé de venir faire chier. Casse-toi. Tu m'as saoulé. Bon, joue à Frénésie des Fêtes avec lui et puis ta sœur et puis arrêtez de nous faire chier. Elle joue aux échecs, c'est parfait. Et lui, ça y est, il a enfin terminé. Oh non, il est plus en colère, il peut plus faire, c'est nul. Bon bah c'est pas grave, c'est pas mon problème. Allez, non mais va pas jouer. Putain, mais faites l'amour. Mais il faut pas ce que je demande. Zen, je suis zen. Je vogue sur un océan de calme. Je suis très calme. Très très calme. Oh my god. C'était très beau, magnifique, sensationnel. C'est bon là? Non non, tu dors pas. On a des choses à faire, Jean-Kévin. Puisque Anaya se tape balai à chiottes, nous aussi, célébrer l'anniversaire de Jean-Kévin. Oui, bah c'est l'ancien qui le fera. Lève-toi! Mais c'est une blague! Non mais vous voyez ma souris quand même, vous voyez ce que je fais. Vous voyez que je clique et qu'il s'en branle la couille gauche avec la droite. Non mais c'est ouf! Bah lui, il est déjà parti se coucher, c'est-à-dire que j'ai rien eu à dire. Va te faire foutre! Va te faire foutre, Gaston! Oh non, mais j'hallucine. Bon, bah, Maroua, occupe-toi du lien, hein, je sais pas. Qu'à jouer sur le canapé. Va aussi lui dire de bouffer, hein, parce que décidément, il est complètement con. Et nous, on va se casser. Alors, tu te changes. Tenue. Changer de tenue, voilà, très bien. Bon, je vous reprends quand je suis chez balai à chiottes. Heureux, donc ça y est, on y est. Il est là. On va faire une présentation amusante. Ok, il est déjà mort de rire, le mec. Bah écoutez, on va être drôle, hein, parce que voilà, on va faire des cadeaux, on va raconter une blague grossière, parce que bon, c'est Jean-Kévin quand même, hein, c'est pas parce qu'il a changé d'apparence qu'il a changé de genre. On va complimenter sa maison, et gna gna gna, et gna gna gna. Ah, ok. Ok, ils ont déjà moins, quoi. Mais pourquoi? Mais oh, mais qu'est-ce qui se passe? Complimente sa tenue, je sais pas, fait quelque chose. Discuter des coins de pêche locaux? C'est un échec. C'est tellement un échec. J'ai jamais été aussi nulle de ma life. Bon bah,
On va aller se faire foutre, hein. Regardez, je crois qu'on va, on va laisser... Ah bah oui. Ah bah oui, là, on est bien, là. Admirez ce style, cette classe. On va se laisser là-dessus, écoutez. Sur le très beau et magnifique visage de Jean-Kévin qui vient de se faire humilier en beauté. Et moi aussi, par la même occasion. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si cette série vous plaît, n'hésitez pas à la partager et à suivre la suite sur la chaîne des Lancia et à mettre un petit pouce bleu. Sur ce, je vous envoie des cœurs et des paillettes et salut!